Vous allez voir dans quelques instants l'évaluation comportementale de Iowa, une femelle de 3 ans, berger allemand, labrador et husky. Iowa, c'est un bon chien, qui va être pour un foyer très actif. Parce que si on ne fait pas l'activité de la journée avec Iowa, elle nous le fait savoir. Donc, c'est pas un chien qui va briser dans la maison ou quoi que ce soit, mais elle va chigner, elle va nous chigner après, elle va aller chercher des jouets. Elle a besoin de bouger, là. Elle a besoin de son activité à tous les jours. Donc, il faut vraiment un foyer qui va être prêt à avoir un chien qui va courir avec, ben courir, bouger, peu importe. C'est un chien qui est habitué aussi de faire du cancross. Ben habitué, c'est qu'elle en faisait, mais c'était pas la meilleure parce que quand elle avait son harnais, elle ne tirait pas beaucoup. Elle tirait plus en laisse quasiment qu'avec son harnais de cancross. Mais c'est un chien qui pourrait être bon pour ça. Là. C'est des personnes là, qui voudraient là, travailler avec. Le problématique d'Iowa, c'est ça, c'est que elle fait de la protection de ressources. Elle faisait aussi de l'anxiété de séparation. Que là, la famille présente a réussi à corriger, mais ça risque fortement de revenir dans un nouveau foyer. Donc, c'est quelque chose là, que les personnes vont avoir été prêtes à travailler avec. Mais son gros problème, surtout, c'est la protection de ressources. Tout ce qu'elle peut considérer comme à elle, elle va le protéger. Donc, ça peut être autant la nourriture, les gâteries, les jouets à l'extérieur, aussi dans le parc à chiens. Ça peut être avec autant un bâton. Elle peut très bien jouer avec les chiens, mais faut pas qu'il y ait des choses qu'elle va prendre comme ses ressources, là, ses accessoires à elle. Elle pourrait être dans une famille avec d'autres chiens, mais des chiens avec un niveau d'exercice, un niveau de jeu élevé. Parce que c'est un chien qui est quand même assez intense avec les autres chiens, là, quand c'est le moment de jouer. Donc c'est sûr qu'elle ne pourra pas être avec un foyer, mettons, avec un vieux toutou qui aime ça se faire dorer au soleil puis être relax, là, va vraiment falloir, s'il y a un autre chien dans le foyer, puis je crois, ben, on croit que ça pourrait être bien qu'il y ait un autre chien, mais un autre chien avec le même niveau de jeu que Iowa. Et pas de jeunes enfants. Parce que c'est la raison, là, pour laquelle Iowa, là, on doit lui trouver un nouveau foyer. Parce qu'elle a fait une protection de ressources, là, avec un petit enfant. Iowa a déjà fait des morsures, mais aucune morsure avec perforation de la peau, là. Tu sais, c'est vraiment juste des snap en disant « Hey, touche pas à mes affaires. » Donc, c'est pour ça qu'il va falloir un foyer qui va être prêt, un, à travailler avec la protection de ressources, qu'il n'y aura pas de jeunes enfants. T'sais, il peut y avoir des enfants, peut-être des adolescents qui vont être capables de comprendre la problématique d'Iowa et travailler avec. Et des personnes aussi qui vont être prêts à travailler avec l'anxiété de séparation si c'est quelque chose là, qui revient avec un nouveau, avec un changement de foyer. Donc, vous voyez dans quelques instants les images de Iowa. Ah, puis ouais, en passant, on l'avait amenée chez le vétérinaire, puis on n'a pas été capable de faire l'examen vétérinaire parce que elle était vraiment stressée chez le vétérinaire. Donc, ça va être important aussi de la désensibiliser peut-être au port de la muselière pour que ses examens vétérinaires ben, soient plus plaisants, autant pour le vétérinaire que pour elle.
On vient de faire l'évaluation de Aiwa, une belle chienne de 3 ans croisée, husky labrador et berger allemand, qui a beaucoup d'énergie, qui est très enjouée. Par contre, elle a certaines difficultés. Elle fait de l'anxiété de séparation lorsqu'elle est laissée seule à la maison et elle fait beaucoup de protection de ressources. C'est la raison pour laquelle elle ne peut plus rester dans sa famille actuelle. Elle a fait de la protection de ressources envers les enfants qu'elle a mordus. Alors, il faut faire attention, elle a déjà mordu. Et en contexte vétérinaire également, il faut travailler beaucoup au niveau des manipulations pour qu'elle s'habitue, parce qu'elle n'est pas à l'aise à se faire manipuler par des personnes lorsqu'elle n'est pas en confiance et elle peut venir à mordre. Elle n'est pas à l'aise non plus de mettre la muselière, alors ça va être à travailler beaucoup à mettre la muselière pour qu'elle se sente bien avec la muselière. En jouant avec d'autres chiens, elle s'amuse beaucoup, elle aime rencontrer d'autres chiens. Par contre, le problème de protection de ressources peut se produire avec d'autres chiens, que ce soit sur des bouts de bois, des jouets, de la nourriture. Ça peut créer des altercations avec les autres chiens. Elle est tout de même très enjouée et adore les caresses et les câlins lorsqu'elle est en confiance avec la personne. Les promenades en laisse se passent quand même assez bien. Par contre, elle tire beaucoup. Ça se travaille quand même très bien. Et lorsqu'elle croise d'autres chiens, elle réagit un tout petit peu, mais elle est très réceptive lorsqu'on fait un petit entraînement avec elle. C'est une chienne qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et il faut savoir comment bien travailler avec les chiens pour régler certaines problématiques, mais elle aura beaucoup d'amour à donner.